chers fidèles internautes de Congo Soukissa TV. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes en direct du ministère des Affaires étrangères où nous assistons à la rentrée judiciaire 2019 du Conseil d'État où nous avons remarqué la présence de plusieurs cadres, notamment le procureur général de la République ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, le président de CENSA, Joseph Elégan Troy, mais également la présence du premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga. Suivant l'intégralité, ce qui a été, et on se retrouve tout juste après. La rentrée judiciaire du Conseil d'État est déclarée ouverte. Venez vous asseoir. Et par le premier président du Conseil d'État, M. Félix Oundaoukébema, professeur, entre de madame et monsieur le président et messieurs les conseillers de toutes chambres réunies conformément à l'article 66 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, avec le concours du procureur général du Conseil d'État, M. Moucha Kaloussa, Ndayon Nezandi, et l'assistance de votre serviteur, M. Mathieu Gato, greffier en chef. Monsieur le Premier Président, je vous réitère mes remerciements pour la parole de M. Kaloussa. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Ministre, je plaide, comme le protocole me l'a demandé, sur un sujet que j'ai choisi, la jurisprudence. La Cour suprême de justice n'est plus, elle a vécu. Pourquoi l'avoir éclatée en trois ? Cour constitutionnelle, Cour de cassation, Conseil d'État. Pourquoi ? Était-il nécessaire, indispensable pour notre pays de se payer, permettez-moi le mot, ce luxe ? C'est fait, on n'y revient plus. Alors, hier unis plutôt, en une seule juridiction, aujourd'hui éclaté en trois, le rôle de chacune de ces trois juridictions demeure cependant le même. Assurer l'unité de la jurisprudence, chacune dans sa branche. Assurer l'unité de la jurisprudence. C'est le but d'une juridiction suprême, appelé à rendre des décisions sans recours, des décisions irrévocables. Voici à ces propos ce
ce que dit un auteur, un certain François Théré, de la toute première juridiction du genre, appelée en 1790 tribunal de cassation. Je le cite. Les révolutionnaires français qui ont voulu unifier le droit en France avaient compris qu'il convenait d'instituer une juridiction appelée à veiller à l'application des lois par toutes les juridictions. D'où la création par la loi des 27 novembre 1er décembre 1790 du tribunal de cassation qui annulera toute procédure dans laquelle les formes auront été violées et tout jugement qui contiendra une contravention expresse à la loi. Et cet auteur d'ajouter et préciser, entre guillemets, l'appel ne suffit pas à assurer une bonne administration de la justice. Il faut encore éviter que les diverses juridictions ne statuent différemment sur un même point. Il serait choquant que le gain d'un procès dépende de la juridiction compétente. Aussi, une juridiction est-elle placée au-dessus de toutes les autres, la Cour de cassation, qui assurera l'unité dans l'application de la règle de droit. Fermez les guillemets. Et vous l'aurez remarqué, vous l'aurez compris, par cet extrait de Théré, les décisions d'une Cour suprême, Cour constitutionnelle, Cour de cassation, Conseil d'État, sont appelés à constituer la jurisprudence dans leur domaine respectif. Aussi, la loi organique de procédure prescrit-elle de publier dans un bulletin tous les arrêts de ces hautes juridictions. Souvenons-nous à cet effet que le procès en cassation et le Conseil d'État siègent aussi en instance de cassation. Le procès en cassation est fait à un autre procès, celui du juge du fond, pour contravention à la loi, car le tribunal de cassation ne statue point au fond de la cause, ne connaît pas des faits de la cause. Il n'est pas un nouveau degré de juridiction. Le tribunal de cassation est là pour sanctionner les contraventions à la loi commises par un juge qui a tranché. Je conclus donc de tout cela, que si les décisions d'une haute cour sont bien rendues, c'est-à-dire tranchent correctement les querelles juridiques, pas les faits. Si donc la haute cour tranche les querelles juridiques ayant opposé les parties, du coup, elles assurent l'unité dans la manière de distribuer la justice dans une société. Quelle délicatesse! Et quel avantage pour un pays qui possède ainsi des balises!
des garde-fous contre l'arbitraire, toujours possible, de quelques hommes en robe noire. Robe noire, peut-être qu'il en existe aussi en robe de toute autre couleur. La jurisprudence de votre Conseil d'État, Monsieur le Premier Président, servira donc à empêcher que ça aille dans tous les sens, à la tête du client. Elle effacera de ce fait le bégaiement dans la manière de juger. Je viens de publier à ce sujet un livre qui n'est pas encore au pays, intitulé « Selon que la jurisprudence ». Selon, entre parenthèses, que la jurisprudence. Au nom des magistrats de mon office, comme ceux des parquets inférieurs ne sont pas encore installés, de son personnel administratif et du mien propre, je vous prie de lui transmettre nos remerciements les plus sincères avec l'expression de notre gratitude. Madame le Président de l'Assemblée nationale, représentant le chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, M. le Président de l'Union, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général de la Cour constitutionnelle et chers collègues, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et honorés collègues, Monsieur le Procureur général de la Cour de cassation et chers collègues, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État et honoré collègue, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire et honoré collègue, Monsieur le Directeur général de la Haute Cour militaire et chers collègues, honorables députés, honorables sénateurs, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, ainsi que les représentants des organismes internationaux, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président du Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général de cette Cour, Mesdames et Messieurs les magistrats, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Monsieur le bourgmestre de la commune de la Gombe, distingués invités en titre de qualité respectif, Mesdames et Messieurs, conformément à l'article 24, alinéa 1er de la loi numéro 16/027 du 15 octobre 2006, portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, le Conseil d'État se réunit en séance, en audience solennelle et publique le 30 octobre de chaque année, au cours de laquelle le procureur général prononce une mercuriale. C'est dans ce cadre que se situe notre point de séjour. L'audience de séjour est solennelle à double titre. Non seulement elle se tient après élection libre et démocratique, ayant abouti à la passation civilisée
et pacifique du pouvoir, mais aussi elle est la toute première depuis son installation. L'installation effective du Conseil d'État consécutive à la réforme des institutions judiciaires voulue par les constituants de 2006. Ma mère Curial porte sur la responsabilité administrative de l'État en République démocratique du Congo. Ce thème est d'un intérêt réel en ce qu'il offre à tous l'occasion de mieux appréhender un aspect si par l'essentiel du contentieux administratif dans notre pays. D'ores et déjà, il s'agit de signaler que c'est pour la toute première fois depuis son accession à l'indépendance que notre pays se dote d'un système de juridiction administrative indépendante du système judiciaire des droits communs. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 a réalisé une réforme totale de notre système judiciaire. C'est ce qui ressort de ces dispositions pertinentes, des articles 149, 153, 154 et 157. À côté de la Constitution, il a été institué des juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation et la juridiction de l'ordre administratif coiffée par le Conseil d'État. Cette réforme consacre ainsi le passage de notre organisation judiciaire du système moniste au système dualiste, où l'administration n'est plus jugée par les mêmes juridictions qui tranchent les litiges entre particuliers. Les lois organiques numéro 13-010 du 19 février 2013, numéro 13-011-B du 11 avril 2013 et numéro 16-027 du 15 octobre 2016 ont permis de mettre respectivement en place la Cour constitutionnelle, la juridiction de l'ordre judiciaire et celle de l'ordre administratif. Le pouvoir public, en adoptant et en promulguant la loi organique numéro 16-027 du 15 octobre 2016, portant l'organisation, compétences et fonctionnement du système de l'ordre administratif, ont manifesté leur volonté de voir l'administration se soumettre à la loi et de ce fait favoriser l'émergence d'un état de droit. En effet, avant cette loi organique, la procédure de la section administrative de la Cour suprême de justice, telle qu'organisée par l'ordonnance de loi de 1982, ne comportait qu'une vingtaine d'articles, alors que la nouvelle loi en compte 400. Il est donc important que les principes de ce droit qui guide le Conseil d'État soient connus du grand public. Tel est l'intérêt de mon sujet. Mon exposé s'articule autour de trois points. Le premier est consacré à l'État et à ses structures. Le second aux sources de la responsabilité administrative. Et le troisième aux sanctions y afférentes. Je pourrais terminer par une petite conclusion. Chapitre 1er donc, l'État et ses structures. Certains auteurs définissent l'État comme une entité formée de la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir la population, le territoire et l'autorité politique, et à laquelle est reconnue la qualité de sujet de droit international, groupement d'individus fixés sur un territoire déterminé et soumis à l'autorité d'un même gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en étant soumis directement au droit international public. Pour d'autres, l'État peut être perçu au sens large comme une collectivité humaine organisée ayant un sport sociologique qu'on appelle la nation. Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs les hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État, et chers collègues, tranchant sur l'attribution de compétences entre les plus hautes juridictions des deux ordres
existants. Concrètement, la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction de concertation, de contestation des décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Elle n'est pas rattachée à aucune des deux ordres existants. Néanmoins, elle s'impliquera uniquement en cas de déclinatoire de compétences soulevée par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Autrement, la Cour constitutionnelle est ici la juridiction congolaise des conflits, dont le rôle est de répondre aux conflits d'attribution entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Au terme de la loi organique, je cite, il y a conflit d'attribution lorsque la Cour de cassation et le Conseil d'État déclarent tous une juridiction l'ordre judiciaire et l'une juridiction de l'ordre administratif, compétence ou incompétence, pour reconnaître d'une même demande mue entre les mêmes parties. Fin de citation. La Cour de cassation, quant à elle, consacre les compétences de l'ancienne section judiciaire, en l'occurrence la matière civile, matière pénale, la matière commerciale et celle du travail. Cependant, comme il sera développé ci-dessous, le Conseil d'État connaît de la légalité des actes administratifs des autorités du pouvoir central ou des autorités inférieures en cas de contestation des décisions rendues par leur juridiction compétente. Le Conseil d'État coordonne par ce fait la juridiction de l'ordre administratif. Deuxième partie, le Conseil d'État, la juridiction suprême de l'ordre administratif. Conformément aux dispositions de l'article 154 de la Constitution, il est créé un ordre des juridictions administratives comprenant le Conseil d'État, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs. En application de cette disposition constitutionnelle, il est précisé que les juridictions de l'ordre administratif sont ainsi constituées. D'une part, il y a des juridictions administratives de droit commun, lesquelles sont régies par la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, à savoir le Conseil d'État, les cours administratifs d'appel et les tribunaux administratifs. Le Conseil d'État est donc l'une des juridictions administratives de droit commun. Il est placé au sommet de la hiérarchie de l'ordre administratif. En tant que tel, le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'ordre administratif. D'autre part, il existe des juridictions administratives spécialisées dans la Cour des comptes, les juridictions administratives disciplinaires des ordres professionnels, régis par des lois particulières, en vertu de la Constitution ou visées par les dispositions de l'article 149, alinéa 6 de la dite Constitution.
grâce à cette leçon pédagogique du professeur Bungawe. Je pense que lui a lancé, et les juristes et autres professeurs peuvent continuer à faire ce travail, notamment vous aussi de la presse. C'est votre rôle, c'est pour cela que vous êtes venu ici. Votre rôle est d'expliciter ce que vous avez suivi. De notre émission Libre Opinion. Là, vous venez de suivre ce qui a été la rentrée judiciaire 2019 du Conseil d'État. Merci à vous d'être très nombreux à nous suivre à ce moment. Merci beaucoup à William Kabamba qui était derrière la caméra. Merci beaucoup à Maître Donat depuis Belgique. Merci beaucoup à Claudie KBG depuis Turquie. Merci beaucoup au prophète de la nation qui Kangababi Moussakolia Tango. Merci beaucoup au frère Alé Wakake, merci beaucoup à Patrick et Timmy depuis Paris, merci beaucoup à Bijou Thomas, mon ami personnel, merci beaucoup à Tanya Kashika et...